Waouh. Hot. Avenue. Oh là. Hey. Vérifie que tout est là. Oh bah elle est contente hein. Wouh. Oh là la famille, c'est cul dans ça, là-dedans, hein. On se retrouve pour la suite et la fin de la salle de bain, hein. Bah oui, on n'allait pas faire 37 épisodes non plus. En plus, le dernier, il était vachement long, puisqu'on s'est retrouvé jusqu'à l'étape juste avant ça. Un coup de primaire, un coup de spec, you, imperméabilisant, coco mon bibi. Je me suis entraîné pour la première fois de ma vie à couper du carrelage à meuleuse. Alors, je savais pas si je savais le faire, mais... C'est du blanc. Oui. Je dirais un vieux qui a la barbe blanche. J'ai coupé droit. Du coup, je suis dégueulasse. J'en ai plein les cheveux. C'est pas grave. Ça fait plaisir. On va préparer tout le carrelage. On va poser à sec pour voir si tout est bueno, tout est parfait. Et ensuite, on fera la colle. C'est moi que je veux faire. Parce que normalement, je sais rien faire de mes mains. Mais il semblerait que ce soit un peu différent plus le temps passe. Allez, on se retrouve tout de suite. Du coup, j'ai décidé de faire le sol en deux étapes. D'abord le receveur, prêt à carreler avec les pentes et tout. Et ensuite le reste. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer les découpes. Parce qu'il y a plein de découpes et je me suis entraîné pour ça, en fait. Hein, pour découper pour le receveur. Bah écoute, je te fais confiance. Tu t'es bien entraîné. Bon, c'est là qu'on se retrouve pour le disclaimer. Honnêtement, fais pas comme moi, hein. Tu mets les EPI, tu mets des gants, tu mets des vraies lunettes de protection et tout et tout. Ne fais pas comme moi. Voilà, je n'ai jamais été un bon exemple, je ne suis toujours pas un bon exemple. Prout! Gamin la gueule! T'es content? Ouais. Il est beau bien, hein? On peut pas faire mieux, hein? Dis-moi que t'es un peu impressionné. Oh, je suis complètement... Tu m'impressionnes. Ça marche toujours là, parce que ça... Bon allez, Félix, je te fonce. Ah ben, je suis impressionné pour un débutant. J'ai révisé pendant longtemps. Oui, je me dis bien que t'as dû les regarder et re-regarder. Je me suis formé pendant longtemps. Bon là, je vais pas te mytho. La vérité, j'ai filmé ça sans parler. Et j'ai fait semblant et tout pour ensuite faire des prises de son machin, mais en fait c'est que bah, je suis tombé Covid. On a fait ça le matin, j'ai coupé tout ça avec la fièvre qui montait jusqu'à midi et tout. Me demande pas comment j'ai fait. Et puis bah, l'après-midi on devait tout coller, là c'est posé à sec. J'étais pas ouf pour poser du carrelage, hein. Donc on a attendu le lendemain. Parce que j'ai eu la chance que ce soit que le Covid, du coup j'ai été malade 15 jours. Et mon gros cul,
en gros plan, constamment. Tiens, ma grosse. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah bon, ah bon, t'es comme ça, toi? Ben là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui! Qu'est-ce que j'ai fait, la grosse? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es belle! Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben elle m'a mis un coup de nez! Elle m'a mis un coup de truffe! Ah! Fais des bisous. Eh ben, petit chagrin passager. You. Bon. Allez, casse-toi. Parce qu'encore aujourd'hui, il faut bosser. Putain de merde. Bon. Là, il y a juste un truc, moi, qui m'inquiète pour quand on va mettre les carreaux au mur. C'est que là, c'était bombé, ça m'allait. Mais là, c'est vachement rentré. Et du coup, il y avait 3 cm. J'ai dû mettre ça, quoi. Parce que ça faisait vraiment trop. Oh là 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 là, le bordel. Bon, du coup, le système Pavilift, c'est vachement simple. Hein. Tu desserres, tu pètes le tout dans le même sens que le carreau et ça se casse tout seul. Et ensuite, un petit coup de cutter dans les joints pour que ce soit vachement propre. On est peut-être des amateurs, mais on est là pour faire un travail sérieux. En étant de la chaise, tu crois que tu peux me fuir comme ça? Et tu sais que même là, je peux te brosser comme ça. Et pareil, bah pour le mur, je me suis fait chier en 2 fois parce que j'ai décidé d'être chiant et de faire une couleur différente pour le côté douche. Donc pareil, beige comme le sol et tout le reste en carreau blanc. Hein, bon, bah tu verras juste après de toute façon. Là. On va faire les pattes, ouais. Et maintenant tu frottes. Allez, frotte. Ouais, c'est bien. Et c'est reparti! Bon, c'est toujours pareil, hein. Des découpes à la meuleuse, du carreau blanc à foutre tout partout. Bon, bah, c'est parti, hein! Bon. On a un peu marre du time-lapse, mais comment te dire que ça part sur les joints blancs, voilà. Et il y aura les finitions, parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça se finisse, j'en ai plein le cul. Mais c'est joli, oh là là, oh c'est beau, je parle à la caméra aiguë. Hein. Bon, plan d'attaque, joint ultra blancos. On va partir là pour faire le bord, hein, l'endroit stratégique.
On recouvre tout, on nettoie, on prend le temps, tranquille. Ensuite, on fait pareil. On part d'ici. Enfin, je veux dire... Ouais, je m'en bats les couilles, en fait, là-bas, parce que ça reprend les traits et tout. Vas-y, on va bourrer ça comme des sales. On va partir ici, de là. Nion, 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 nion. Et on va finir par ce mur. Pourquoi je finis par ce mur? Parce qu'en fait, ici, il faut que ce soit blanc. Et il va falloir que je me fasse chier pour que le blanc n'aille pas sur le beige. Donc déjà, je trouve que je me suis bien démerdé pour que le beige s'arrête à sa place, tu vois. En fait, je le bourrais bien et ça dépassait. Je mettais un coup de... Là! Un coup de spatule pour que ça l'enlève et tout. Donc, je ferai ça à la fin. En mode Inch'Allah, Mach'Allah et tout. Et puis, bah... Bon, bah, toi, tu vas voir tout de suite le résultat. Mais moi, je pense que je vais suer ma mère. Comme d'hab. Hein? Et on se retrouve après avoir bah, tout fini, tout posé. Mais j'en avais ras le cul, donc je t'ai pas non plus tout filmé. C'est pour la surprise, comme ça tu vas tout voir d'un coup. Hein. Je te mets les finitions pour te faire attendre. Quelques secondes encore. On se retrouve pour la petite finition de peinture. Hein, parce que bah, il fallait les murs roses dégueulasses et tout. Et puis on a peint le plafond aussi. Hein, donc voilà. Donc, ce mur-là, je voulais pas le carreler parce que le pan de porte, je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais l'enlever, l'encadrement de la porte, je veux dire. On verra ça plus tard. Donc en attendant, bah, on a tout peint, quoi. Comment c'est comme ça? Ah ouais! Bah oui, t'as vu comment c'est vachement bien cette bière? Ah, c'est vachement bien. Merde. La tête. Mais attends, t'es déçu, c'est un peu chiant pour filmer là. Tu veux que je le fasse? Non. Mais ça, c'est mon plaisir. Je veux pas savoir qui a mérité de le faire. Dis-le. Si tu mets une trace, je te tue sur le. J'ai jamais une trace. Oh. Salle de bain terminée! Il n'y a plus qu'à mettre la petite VMC là. Ah oui, merde, pas terminé. Enfin, terminé pour l'instant. Hein. Ah putain, c'est ah, propre! Ah, j'ai fini ton boobs. C'est pas grave. C'est propre! Hein. Sa mère! Regarde-moi ce joint de qualité! C'est vachement bien ce truc là. Ça là, ouais. Ça c'est formidable. Il y a encore du nettoyage à faire. Ouais. Mais c'est pas grave. Quand le joint silicone sera sec, oh, c'est pas mal. Putain. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Attends, je fais une vue d'ensemble. C'est pas mal du tout. Enlève ça. Et j'enlève ça. Aïe! Bravo. Bon ben voilà, c'est après à peu près 30 minutes de vidéo que bah, t'auras vu tout péter la salle de bain. Tout rafistoler la salle de bain, tout reboucher, tout le bordel. Et puis, bah, forcément, ensuite, bah, faut faire le carrelage et tout. Poser la colonne de douche, la paroi, les meubles. Bon, je voyais pas trop l'intérêt encore de filmer des trucs. Au bout d'un moment, hein, le timelapse, c'est relou. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette petite série de deux vidéos t'a vachement plu, entrecoupée de petits moments avec la bichette, parce qu'il faut pas oublier bichette. Les balades tous les jours et tout. J'espère que tu trouves que c'est sympa quand même, hein, la salle de bain et tout. Les goûts qu'on a, bon, à la limite, on s'en branle, tu me diras. Mais j'espère qu'au moins, t'as apprécié ce que t'as vu. Merci à tous ceux qui ont suivi la série de vidéos sur la salle de bain. On se retrouvera pour de nouveaux travaux parce que bah, actuellement, au moment où la vidéo sort, il y a le garage, il y a l'étage et tout et tout. Allez, bisous! Bonjour Bichette. Moi Kiki. Nous regarde ça, les ça travaux. Ça sent le vinaigre. Ah oui, bon. Ça sent le vinaigre. Voilà. Ah!